Vous avez petit bug. Je faisais des petits réglages, vous inquiétez pas. Je faisais des petits réglages, je regarde la caméra, je hop. En fait, mon micro il s'active, il se désactive, donc c'est un vrai bordel. Donc vous inquiétez pas. Hop, hop, hop. Donc je disais, donc ouais, au début, je faisais des petits réglages, après j'ai commencé à parler, mais bon, mon micro c'était pas activé, enfin, c'est un vrai bordel. Déjà, ce que j'étais en train de dire vers la fin, donc je vais vous copier quand même le lien, voilà, du jeu. Donc voilà, donc ce que je disais depuis le début,
Au début, c'était normal que vous m'entendiez pas. Je faisais juste des petits. Des fois, j'aime bien faire des réglages en direct et tout. Vous le comprendrez assez vite si vous regardez mes lives. Hop. Donc, ouais, donc je disais, Timmy Hackman là pour l'instant n'est pas présent car il a des problèmes de connexion. Il nous rejoindra si sa connexion le veut bien. Il me fera un petit signe et je l'intégrerai dans la conversation. C'est-à-dire qu'il est là, il est présent. Hein. J'ai juste à faire reprendre sur Steam. Et mais bon, pour l'instant, parce que ça, en plus de ne pas pouvoir voir le live, du coup, pouvoir le commenter. Ça saccade au niveau de sa voix, du coup voilà. Sinon, tout ce que je disais, c'était pas très utile, à part le jeu Skullface. Je flash sur PC. Jeu créé par Greg Sergeant et la musique c'est Adam Dishong. Enfin voilà, tout est marqué, voilà, je vais vous montrer, de toute façon on va le voir, hop. Voilà tout ce que j'ai dit, je laisse un petit peu, voilà. Donc on va commencer par une petite phase de gameplay d'une demi-heure en direct de moi. Et après on commentera, enfin je ou on, tout dépend si sa connexion revient, on commentera, enfin ou je, encore une fois. Gameplay que Timmy Ahmed m'a préparé la petite vidéo, il m'a même l'a passé, du coup je vais pouvoir la commenter. Est-ce qu'il arrivera en cours de route, ça. Et comme je disais aussi. Hop, je vais mettre ça comme ça. Là, j'ai mis ma caméra comme ça parce que d'habitude elle est devant moi, mais là, quand je fais maintenant, je fais de plus en plus de gameplay en direct, ça permet de discuter gentiment du jeu. Parce que le plus chiant quand on commentait directement les runs, c'était que des fois on n'avait pas assez le temps de parler. Là, bon, je fais un petit gameplay en direct pour vous parler un peu du jeu, on peut parler tranquillement et après on se concentre hein, beaucoup plus sur la vidéo pour la commentary de la run. Donc voilà, petite séance d'une demi-heure. Hop. Alors est-ce que le jeu va réussir? Enfin va me dire oui tu peux parce que moi des fois il bug un petit peu. Hop. Mince. Ah ouais mais. Attendez. Hop. Hop. Alors très simple. On se déplace avec gauche et droite. Hein. Vous voyez les touches là. Espace c'est pour sauter. Barre c'est pour faire une roulade. Et quand vous aurez pour l'instant, on ne peut pas, mais la touche O servira pour utiliser le jetpack quand on l'aura. C'est tout. Mince. Ah. Et la touche R permet de faire un reset. Et quand je fais R, ça me permet de revenir au début. C'est beaucoup mieux. Plutôt que de chercher à mourir. Et P pour faire pause. Mince, c'était trop tôt. Ah non, c'est bon. La petite séance d'une demi-heure. Hein. Et je ne vous dis pas tout de suite le temps de la run de Timmy. Je le dirai bah, quand on aura fini. Voilà. Donc là, cet angle de caméra. Vous voyez comment je bosse avec les différents écrans et tout. Hein. Et en plus, je me suicide. Merci. Et qu'est-ce que je veux dire? Et en plus, bon, c'est fait pour que vous voyez comment je joue. Alors, si j'ai une manette comme ça, voilà, pour les gameplays en direct, l'intérêt, c'est de voir le contrôleur un peu. Bon, là, avec le clavier, c'est pas évident. D'avoir un bon angle, parce qu'il faut aussi voir ma tête. Mince. Mince, je suis bête. Ah, c'est bon. Ah, je suis bête. Je fais deux fois la même erreur alors que je sais comment on passe. Ah, mais là j'ai pris du retard, c'est pour ça que j'étais obligé de m'arrêter. J'ai pris un petit peu de retard. Ah mince. Vous voyez, petites erreurs, ça le direct, ça permet ça. Alors, là vous voyez, ça vous avez comparé les niveaux par rapport au temps. Moi je me suis entraîné. J'avais déjà joué à l'époque, enfin il y a quelques mois quand je l'avais découvert. Un temps pas terrible et je m'y suis remis il y a à peu près mince ah, c'est pas ça qu'il fallait faire je m'y suis remis il y a 2-3 jours il y a non 4-5 jours plutôt il y a 4-5 jours et j'ai mis à peu près pareil pour préparer cette émission hop mince je suis bête. Voilà. Alors vous pouvez vous y essayer aussi avec le lien que je vous ai passé. Vous pouvez voir de toute façon dans la vidéo, dans la droite. Mince.
J'ai essayé de faire un truc qui marchait pas. Excusez-moi, enfin, si je me concentre, puisque bon, c'est toujours assez frustrant quand on perd comme ça, vers la fin. Mince. Je vais attendre, je vais pas m'en... Ah, je suis bête. Et donc, oui, on peut s'accrocher au mur. Hein. Enfin, genre, si je reste dans la appuyé dans la direction du mur, par exemple, sur un mur qui est à gauche, faut que je reste appuyé à gauche, donc, pour rester accroché. Sinon, bah... On tombe, tout simplement. Ah, voilà, bah voilà. On voit l'exemple. Voilà. Ah, c'était pas terrible, là-dessus. Là, j'ai été mauvais. Hop. Donc, petite info aussi au niveau du jeu. Il est composé de 3 mondes. Chaque monde a une quinzaine de niveaux. Et à la fin, mince. Et à la fin du jeu, ouais, vous avez un boss. Voilà, en plus j'ai battu mon temps, c'est génial. Et voilà, premier monde. Vous aurez pas les cinématiques comme j'ai déjà fini le jeu. Hein. Premier monde du niveau. Premier niveau du monde 2, pardon. Donc là j'ai pris mon temps. Vous voyez, avec le jetpack, donc on recharge le jetpack en allant vers ces petites. Ces petits halos orange. Ces petits halos orange, donc. Pour recharger. Le jetpack. Et toujours on l'a pardon, on l'actionne avec. Ah mince, avec O. Oh, je me suis ici d'ailleurs. Mais c'est là, c'est que le try se fait rapidement. Je veux dire, enfin. Mince. Ah, je vais te suicider, toi, bonhomme. Ah. Il y a des niveaux des fois qui sont pas forcément durs, c'est toujours. C'est pas celui-là est dur, celui-là. Enfin, on peut dire celui-là est un peu quand même plus corsé, genre de choses, mais c'est, j'en connais que moi je réussis facilement et d'autres galèrent pendant des dizaines de minutes. Et des fois c'est l'inverse, un truc que je réussis, que je galère, ils le réussissent du premier coup. Notamment celui-là que je n'aime pas. Bien que le rythme est toujours le même. Mais c'est toujours, toujours la dernière, moi, qui m'embête beaucoup. Voilà. Mince. Et là, si je ne m'appuie pas, il tombe comme un... comme quelque chose, je ne dirais pas. Que je vais pas être vulgaire tout de suite, hein, je vais attendre un petit peu. Hein. Mince, je suis bête. Hop. Voilà. Ah oui. Alors il y en a qu'on les passe pas forcément comme ça. Enfin tout dépend. Il y a une manière safe de les passer. Des fois, si on faut se dire, on est juste là pour passer.
C'est pour passer le niveau ou on veut vraiment faire le meurtre, en tout dépend. Là, mon but, c'est de passer. Ah, mince. Mince. Ouais, par contre, des fois, bah, on est obligé de mourir. Ah, sa vilaineté. On va essayer de pas être trop vulgaire tout de suite, quoi. Enfin, on va essayer de pas l'être du tout. Ah, mais... Ah, je me stresse pour rien. Salut, traumatise, ça va et toi? Hop, 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 voilà, c'est bon. On se concentre. Non mais, là, je suis pas concentré du tout là. On reste zen. Voilà, parce que là tout va bien. Mais c'est pas possible. Je suis pas concentré, je suis distrait. Voilà. Je m'embête pour pas grand chose. Ah oui. Ah non. Ah bah. C'est la technique. 1 à gauche. Faire 4 à droite. Enfin moi c'est comme ça que je fais. 3. 4. On revient. On fait un saut. Et après on se barre tout de suite à gauche pour avoir le meilleur temps. Enfin pour moi c'est comme ça. Mince, je suis. Aussi faire ça, hein. Il faut rebondir pile poil, ah. Comme il faut, on peut s'amuser, hein. Sauf que bon, je vais essayer de le finir quand même. Il y a cette zone là qui est safe, hein, où j'étais. Ah, faut pile poil se mettre, pas toucher les pics du mur de gauche, mais pas trop être à droite parce que sinon. Que sinon bah ouais, je vais essayer ouais. Parce que là au niveau du temps du coup c'est plus ça. Je vais attendre qu'il soit déjà bien tombé. Ah bah non, ouais. Il y a une zone safe mais faut elle se décale en fait. Là. Ouais. Voilà. Pas concentré du tout. Un niveau qui me pose pas de problème alors d'habitude, enfin sans plus quoi. Ah mais ah je vais sauter dessus, abusé. Là quand je commence un peu à rager en général ça va pas être bon pour moi. Parce que bon quand on rage on joue mal. Enfin moi je joue mal quand je rage. En plus je suis un peu malade. Ah il était pas encore tombé le vilain. Ah oh mais... Putain mais je m'éloigne de plus en plus à droite, ça va pas. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Des fois je fais des petits moments safe hein. Ah mince, je l'ai mal joué là-dessus. Ah mince. Je l'ai mal joué. Voilà. Voilà. Ah trop tard. Faut partir tout de suite. Hein? Ah mince, ah j'ai pas vu tiens. Je le voyais pas, il était caché.
Hop. Ah mince, je regardais plus l'écran. Donc ceux-là, ils sont invincibles. Faut savoir donc si là oui, je saute automatiquement hein, sans avoir appuyé sur espace. Et si j'appuie sur espace au moment de l'impact, voilà, j'explique, hein, je saute plus haut. Voilà. Mince, mais c'est pas possible. C'est pas possible de d'être si peu concentré. Ah, c'est l'effet du live, hein. Évidemment, quand on joue tranquille, on est toujours plus, ah, mais plus peinard. Ce qui est normal. Mince, je m'y suis mal pris. C'est un niveau que j'aime pas trop. Mince! J'aurais dû. Ouf, voilà. Donc normalement là je suis au premier niveau du monde 3, du dernier monde donc. Ah mince, j'ai mal, j'ai peut-être mal joué là du. Mince, ah! Comme ça qu'il faut se la jouer, voilà. Voilà. Mince. Je pense à autre chose à chaque fois. Mince, ah! Ouf. Ah non, je suis bête. Ah mais je suis pas arrivé assez vite. Ah, je me suis pas. Celui-là, là, le passe. Mince. Le. Mince. Je repense. Le passage là, le dernier, c'est un passage que je n'aime pas, mais vraiment pas beaucoup. Faut que j'arrive vite. Ah, il s'accroche trop vite. Il s'accroche trop vite. Voilà. 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 Mince. Je vais commencer. Voilà. Voilà. Et là, on voit l'intégration des. De ces petites. Ah, les, voilà. De ces petites bombes. Qui peuvent vous. Bah, si vous touchez, vous tuez. Hein. Tout simplement. Et peuvent réactiver les interrupteurs. Donc, c'est pas très. C'est pas très gentil de leur part, vous serez d'accord avec moi. Aïe, mince. Notamment ce passage là, surtout quand il veut pas s'accrocher. Elles vont assez vite. Elles vont plus vite que vous, hein. Ça je peux tout de suite vous le dire. Elles vont plus vite que vous, donc si vous ralentissez en fait, c'est même pas la peine d'essayer. Des fois, quand vous voyez que je meurs et que je tourne la tête, de toute façon, vous voyez, c'est. Ou je tourne l'œil parce que j'ai. Ouf. Ah mince. Mais celui-là, il me pose pas de problème, pourquoi? Ah, il veut pas s'accrocher, c'est ça. Ah mince.
Et le fait que je sois tout seul et que c'est moi qui joue en fait, c'est pas évident parce que je sais que je peux pas répondre au message puisque bon, c'est... Ah, elle va plus vite, ça c'est honteux. Hop. Ah, ça... Et quand je meurs en boucle, je m'énerve en général. Bon là, je vais pas m'énerver, hein, pas... Quand même pas en direct. Ah, les boules là. Bon, allez, meurs. Voilà, je préfère ça, je meurs en boucle. Et après, je me reconcentre. Ah, il a pas sauté. Ah. Ah, des fois à cause du navigateur, il y a des petits décalages. Notamment hier, j'ai eu que ça. C'est-à-dire vous appuyez, mais non. Ça ne veut pas. Ça peut le faire, ça me l'a pas fait aujourd'hui. Ah mince, il est con. Ça ne l'a pas fait aujourd'hui. Là, ça le fait un petit peu sur le dernier mur. Je sais pas pourquoi. Ça réagit pas tout de suite. Ah. Ouais, ça va, mon clavier. Pour l'instant, ça va. Il résiste bien jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que, surtout quand c'est un PC portable. Ah, il est con. Hop. Je dis les cons, mais je parle de moi. Hein, parce que bon, parler du bonhomme, ça se. On se dit, ouais, c'est lui. Mais bon, ce n'est qu'un programme. Ce n'est qu'un amas de pixels. Voilà. C'est possible. Ah oui. Alors, ces passages-là, je les hais. C'est clair, hein. Non, l'enf... voilà ce qu'ils peuvent faire, hein, notamment. Voilà. Activer, désactiver. Attends, je fais juste... Ah là là, j'étais réussi à passer. Joue à quoi d'autre comme jeu? Bah, je joue à des centaines de jeux différents. En ce moment, je suis sur Naruto Storm 3, mais... Mais sinon, ouais, je joue à plein de choses. Sur l'émission là, bah, ça dépend des speedruns que mon acolyte qui n'est pas présent ce soir réalise, donc Timmy Ahmed. Ça dépend des speedruns, saloperie qui... Pardon, excusez-moi. Qui réalise pour l'émission du lundi, donc. Mince! Ah, putain, je suis mauvais là-dessus. Oh là là, abusé. Non, je joue rarement en ligne. La plupart des jeux que je joue, c'est en solo. Le seul jeu que je joue en ligne, c'est vraiment. Ah, mais. C'est Counter-Strike Go. Et c'est vraiment occasionnellement. Autrement, j'aime. J'étais beaucoup multi, mais je ne le suis plus. Maintenant, je joue tranquille. Enfin, moi, quand je joue au multi, c'est avec un pote en général. Ou quand j'invite des gens. Moi, le multi, c'est vraiment. Quand je joue avec des gens. Bah, quand j'invite des gens pour faire une LAN ou un truc du genre, quoi. Mais je ne dis pas, c'est un très bon jeu, mais. Mince. Ah mais ils savent à peu près où on va. Voilà, on va appuyer. Ah 6,70. LOL, ouais, j'ai déjà joué à LOL. Une ou deux fois. Mais ça m'a jamais trop hâte. Moi, les... Ce genre de jeu en ligne, c'est pas vraiment les trucs où faut
faut quand même jouer souvent, genre par exemple pour ou n'importe quel MMO. Bon, c'était pas un MMO, mais. Enfin. Faut quand même être souvent. Moi, je joue. Mince. Je joue à beaucoup de jeux un petit peu en fait. Je m'attarde rarement longtemps. Enfin. C'était pas le cas à l'époque, mais en tout cas, depuis quelques années, je joue un petit peu à beaucoup de jeux. Je grignote le jeu en fait, un petit peu. Mince. Mince. Là, celui-là, faut vraiment que je prenne le rythme. Les lasers. Hein. C'est vraiment quelque chose. Hop. Mince! Les lasers, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Ah, j'ai perdu le rythme. Ah non, j'ai perdu le rythme. Ah, j'étais trop lent. Faut vraiment garder un rythme qu'on a en tête pour passer, parce que sinon c'est mort quoi. Genre la lame, vous savez qu'on peut pas passer par-dessus par exemple. Mince, va meurt. Là, j'ai perdu le rythme. Ah mince, il a pas voulu s'accrocher. Vilain! Allez, meurs, voilà, meurs. Moi, je suis pas vraiment un speedrunner, moi. Ah! S'il y a un jeu que je me débrouille à peu près, c'est Aladdin sur Super NES. Mais c'est plutôt mon acolyte qui, lui, est speedrunner. Moi, je suis plus présentateur de l'émission. Parce que normalement. Enfin, ce qu'on fait maintenant sur l'émission, je sais pas si c'était au début, ce que je disais, au début je parlais dans le vide, ce qui était à moitié voulu mais pas complètement. C'est que je disais donc, je commente avec Team Ahmed qui lui est speedrunner, tu peux aller voir sur sa chaîne YouTube, donc TI, bah, comme ce qui est marqué en dessous là, Team Ahmed. Hop. Et on commence ses speedruns. En grande, c'est ce qu'on fait. Et au début, maintenant, on a décidé de faire des petites phases de gameplay pour avoir le temps d'expliquer un peu le jeu en fait. Parce que quand vous allez voir le temps que lui a réalisé, je veux dire après je vais commenter sa run, enfin, la vidéo qui m'a passé donc, qu'il a enregistrée hier, je crois que c'était hier. Maintenant on essaye de. On commence par une phase de gameplay du jeu, tranquillou quoi, où je joue, pour expliquer un peu le jeu et tout, pépère. Et après on commente. Mince, ah mais. On commente ses runs après. Mince. Après on commente sa run. Parce qu'avant on commentait directement la run et des fois on oubliait. Ça faisait. Il y a beaucoup de choses qu'on oubliait de dire au niveau du jeu. Du coup là on s'est dit tranquillement on commente. Ah, j'ai vraiment du mal à jouer correctement. C'est fou. Hein. Pourtant ça fait. C'est pas ma première fois. Je ne suis pas un débutant en la matière. Mince. Ah. Donc là, petite phase de gameplay. Pour expliquer après. Parce que vous avez vu, là je suis à 26 minutes. Lui, ça fait déjà longtemps qu'il a fini le jeu quoi. Au niveau du timer quoi. Ah mais. Ah je glisse, c'est pas possible. 1, 2, hop. 1, 2, hop. 1, 2, hop. Saute. 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 Voilà. Bah faut quand même avoir un PC qui tient la route pour streamer. Faut pas avoir un. Ah, faudrait que tu me dises ta config et après je te dirai si ça tient. Il faut avoir une très bonne connexion internet. Ça par contre. Ça c'est indispensable. Mais il faut quand même avoir un PC qui tient le coup. Pas non plus un PC de Dieu, mais. Faut quand même avoir. Ah, mince, faut quand même avoir quelque chose. Faudrait que tu me dises ta config et après je te dirai si. Si ça passe. Je réussis en général assez facilement. Et voilà le boss du jeu. Mince. Le dernier boss.
La dernière fois que je l'ai refait 3-4 fois avant l'émission, je suis pas mort, en fait. Donc là, je meurs en boucle alors que. Et vous voyez, c'est le point de vie en haut, il a 5 points de vie. Vais me mettre sur l'écran là, tiens. Voilà, il fait un petit peu le mariole en fait, le tactique boss fait un petit peu le mariole, et à un moment, il va vous balancer une bombe. Et il faudra lui la ramener à la tête, ça lui enlève un point de vie. Je suis sûr qu'il y a des zones safe, mais j'ai pas envie de les chercher en fait. Il va balancer sa bombe. Mince. Quand on meurt, ça revient au début de sa vie, évidemment. Donc là, 3 points de vie. Hop. Ah! Plus de 2 points de vie. Ah voilà. Ça, faut juste les éviter. Et elles vont disparaître. Ah mince. Allez, prendre l'élan. Et voilà. Moins de 30 minutes, mon défi c'était 30 minutes, c'est bon. Bon, c'est moins, hein. Je vous laisse la petite cinématique, hein. Thank you for playing. Eh oui. Et après, on peut voir les différents temps. Bah justement, comme je vous dis, alors oui, ça va en raison ce que je veux dire. Donc au niveau de la rediffusion, donc ça sera disponible sur consolefun.fr dans la rubrique Live Fun, évidemment, dans les rediffusions de Twitch, la chaîne Console Live, et sur ma chaîne YouTube perso, et sur celle de Team Hackpad. Voilà, donc 3h50 au Team Hackpad sur les chaînes YouTube, vous allez voir pour la rediffusion. Et si vous voulez venir essayer le jeu, donc vous tapez Skullface, Skullface, vous allez sur Armor Games, c'est là .com, c'est là où je l'ai. C'est là où j'y joue quoi. Et donc vous pouvez me dire vos temps, donc là je peux vous montrer un peu les miens. Donc on peut voir le temps total et après le temps total du chapitre. Hop. Montrer un petit peu, hop, je vais faire défiler. C'est toujours le temps du chapitre que vous pourrez me dire. Donc essayez et mettez dans les commentaires des chaînes YouTube ou en commentaire de l'article sur consolefun.fr dans la rubrique Live Fun. Enfin, un peu où vous trouvez pour mettre pour me dire vos temps. Donc il y a trois chapitres, enfin il y a trois mondes. Je défile un peu. Donc c'est your best, hein. Et le A+, hein, c'est juste pour avoir le crâne d'or en fait. C'est pour avoir le. Il faut dépasser le A+ time. Ou l'égal, je crois, donc faut le dépasser. Faut avoir mieux. Donc essayez, dites-moi dans les commentaires, soit de YouTube, soit sur consolefun.fr. Moi j'ai le crâne d'or partout, évidemment. C'est pas bien 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 dur non plus, mais sur certains, faut s'acharner un peu. Et voilà, 45 niveaux sur 3 mondes. Donc voilà, donc on va pouvoir. Hop, donc ça, je vais faire ça. Ce que je peux faire là. Hop. Je bidouille, je bidouille, désolé. Voilà, hop. Enfin, je vais voir, je remodifierai tout ça.
Un truc que je vais faire comme ça, peut-être le gameplay en direct, c'est que elle ne sert que pour le gameplay en direct, donc on revoit la caméra. Voilà. Je vais pouvoir agrandir ça, ça va être dégueulasse parce que c'est pas bien grave. Réalisateur du temps. Voilà, on prend son temps. N'hésitez pas à se faire des questions. Alors, par contre, je sais pas s'il y a eu des questions parce que du coup, j'étais dedans. Le but, c'est que je finisse en moins d'une demi-heure. C'était mon défi et je l'ai fait. S'il y a eu des questions sur Console Fun, parce qu'il y a tellement eu de choses d'écrites sur le chat de consolefun.fr que je sais pas s'il y a eu des questions. Bah tiens, si Titi, tu m'entends, tu peux me dire s'il y a eu des questions sur. Si tu peux refaire un petit check-up de. Si tu m'entends, évidemment. Des petits. Un petit check-up de ce qui a été dit sur le chat de Console Fun. S'il y a eu des questions, et me dire si on a eu. Parce que si je cherche ou pas. Que là, je vais. Que là, maintenant, on va commenter. Je pense que je regarde la caméra, puisque maintenant, elle est plus active. Donc, ouais, donc à plus, traumatise. Le chat là est vraiment étiré à mort, désolé. Alors là, faut que je trouve juste un truc. Voilà, ce que je cherchais, hop, c'est là. Je cherche juste un truc, je sais pas où je l'ai foutu. Il y a juste un screen region. Ah, c'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. On va pouvoir faire comme ça. Hop. C'est bon. Normalement. Commenter, donc je vous dis ce temps. Moi j'ai fait en 29 minutes quelque chose. Lui il l'a fait en. Bon, j'étais en live évidemment, c'est un petit peu plus de contraintes. Il l'a fait en 16 un peu environ. Hein. Je sais pas pourquoi je continue de regarder la caméra. 16 minutes et 55 secondes. Le temps de Timmy Hackman. Donc voilà, 16 minutes et 55 secondes. Donc là je vais balancer la vidéo. Hop. Alors il y a des petits. La vidéo a des petits. Des petites saccades au niveau de sa vidéo. Donc encore désolé. Hein. Je vais juste vérifier un truc, c'est pas normal ça. Hop. Non, petit bug. J'adore avoir des bugs en live, c'est génial. Voilà. Je relance le chrono. Hein. Donc là, c'est la run que m'a passé Timmy. Alors, il y a des petits bugs dans la vidéo, vous allez voir des stries vertes et tout, mais c'est pendant la capture, il a. C'est. Quand il a. Ça a capturé comme ça, il n'avait pas le choix. Donc désolé si la qualité de l'enregistrement est pas terrible. Donc voilà. Enfin, j'ai déjà dit beaucoup de choses, là, profitez un peu, quoi. Et comme j'ai au niveau du temps, il n'a pas cherché les endroits, il n'a pas cherché à avoir quelque chose à fond. Il a voulu avoir un temps de base pour que vous aussi vous essayiez, essayer de battre son temps. Donc, si vous voyez la vidéo là, sa vidéo sur sa chaîne, vous pourrez dire si vous faites mieux. Pour lui, il est possible de faire. Si c'était bien concentré, il serait arrivé à 14, à peu près 13-14. Gagner 2-3. Il a fait environ 17 minutes, il y a moyen de gagner sur son temps, même encore plus, hein, mais il y a moyen de gagner 2-3 minutes en jouant quand même un petit peu mieux. Et en jouant extrêmement bien, peut-être descendre en dessous la barre des 10 minutes. Bon, ouais, c'est pour vous dire, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. On va en profiter pour les relire. Il y a des problèmes dans le chat.
Alors, je suis un petit peu silencieux, je vous laisse profiter. En même temps, je relis tout l'historique du chat que j'ai pas pu lire. On va savoir s'il y a eu des questions. Vous voyez, au niveau du temps, on peut prendre 3 minutes, il a atteint le monde 2. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau du temps, moi, j'étais un petit peu ridicule. Je rappelle, donc là c'est un single segment, hein. Il a pas fait différents segments, il a démarré l'enregistrement, il a commencé et il a joué. On s'entraînait un petit peu avant évidemment. Mais il est arrivé à ce niveau là en s'entraînant, en jouant. Il avait déjà joué il y a quelques mois, il s'y est remis il y a 2-3 jours. On y joue un petit peu. Hein. Ouais, on obtient ce niveau là, enfin tout dépend des gens. Mais c'est un speedrunner, c'est un fou. Enfin, tous les speedrunners, c'est des gens pas comme les autres. Moi, j'en suis pas, hein, donc vous voyez le niveau. Faites une demi-heure de jeu en tant que personne normale, en tant que speedrunner, vous arrivez au quart d'heure à peu près, voire et encore moins. Donc, c'est pour vous dire. En quelques séances d'entraînement, pour arriver à ce niveau-là, il faut être patient. Vous voyez différentes façons comment je l'ai passé moi et comment lui les passe. Moi je l'ai jamais passé comme lui le passe en fait. Moi je passe directement par la droite. J'essayais de m'embêter un peu. Et comme ça vous voyez peut-être des petits axes d'amélioration. C'est ça, on vous propose une... Que des fois on vous propose les records en général. On vous propose les records mondiaux. 4 Team Yakman. Mais là il y a des gens qui ont fait déjà mieux. Hein. Mais vous à partir de ça... essayez d'améliorer. Hein. Parce qu'en général des gens... Les gens aiment pas partir sur rien. Là, ils aiment bien avoir une base de quelqu'un pour dire bah tiens, je vais essayer de le battre. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous avez une base. Et si vous avez des axes d'amélioration, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Vous voyez la zone un petit peu de safe. Donc là, dommage. Ouais, donc comme je disais, la qualité vidéo, il y a des stries vertes de partout, mais ça c'est au moment de l'enregistrement, c'est son logiciel qui a dû déconner, mais il a essayé moult fois, mais bon, ça le faisait à chaque fois, et du coup, bah, essayer de faire avec. Que c'est pas de sa faute, là, il a tout essayé, mais ça le faisait à chaque fois. Du coup, bah, il s'est dit, bah, il a essayé pendant un moment, ah, tant pis, bon. Donc je le redis, la rediffusion de ce live, comme de tous les lives, que ce soit les lives, les Too Lazy Speed Fun du lundi ou les Retro Live Fun du mercredi, donc les deux émissions diffusées sur consolefun.fr à 21h, hein, que ce soit le lundi ou le mercredi. Enfin, celle du mercredi c'est tous les mercredis, Retro Live Fun, et celle du lundi c'est, pour l'instant c'est à une semaine sur deux, c'est-à-dire que la semaine prochaine il n'y en aura pas. Celle du lundi, ce sera le lundi d'après, à chaque fois c'est un lundi sur deux, et celle du mercredi c'est tous les mercredis. Donc ces deux émissions-là sont disponibles donc, dans la rubrique Live Fun sur consolefun.fr. Dans la rubrique vidéo, donc Live Fun. Dans les rediffusions de la chaîne Twitch TV Console Fun Live, évidemment. Et sur la chaîne Twitch TV, alors pour l'émission du mercredi, que sur ma chaîne YouTube à moi. Donc
3h150. Et pour l'émission du lundi, sur ma chaîne YouTube perso, donc à moi, et sur celle de Team Yakmed aussi. Pour l'émission, celle-ci sera sur la chaîne de YouTube Team Yakmed et de la nuit. Donc là, il arrive, on monte 3 en 7 minutes 40. Donc 2 mondes en 7 minutes 40, ce qui est pas trop mal, je dirais. Mais je le redis, c'est pas la première fois qu'il joue, juste qu'il y en a eu beaucoup de discussions, enfin on voyait beaucoup sur les forums des gens qui pensaient, ils disaient les speedrunners, ouais, expérience gâchée et tout, mais qui pensent que les speedrunners c'est des gens qui, dès qu'ils ont le jeu, les speedrunners, ils arrivent à un niveau comme ça, du coup ça leur gâche l'expérience. Alors si c'était vrai, déjà ce serait des Chuck Norris en masse, ces gens-là. Et en plus, je serais d'accord que ça gâcherait. Mais ce n'est pas le cas. Avant d'arriver, les speedrunners sont les gens à avoir le plus joué au jeu. Si on dit quelle est la catégorie de personnes à avoir le plus joué à un jeu, c'est les speedrunners, évidemment. Parce que pour arriver à un niveau comme ça, il faut des dizaines et des dizaines d'heures. Bon, pas là. Il n'a pas joué. Pourtant, c'est un petit jeu flash. Mais il n'en reste pas moins un très bon jeu flash. Donc, en général, c'est eux qui ont... Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de Team Yakmed. Ses niveaux sur Tomb Raider, tout ça, où il a passé des dizaines, des dizaines et des dizaines d'heures au fil des années à jouer à ce jeu. Et c'est en s'entraînant beaucoup qu'on obtient ce niveau-là. Et vous pouvez aussi aller voir sa chaîne Twitch, hein. Pareil, c'est Team Yakmed, sa chaîne Twitch TV, où il stream de temps en temps, quand sa connexion le veut bien. Il stream sur Tomb Raider 2, il fait des fois des races contre différents speedrunners sur TR2. Mais pas que TR2, je sais plus qu'est-ce qu'il... Ça dépend sur quoi il a vraiment son jeu phare, son jeu sur lequel il est vraiment dedans, c'est Tomb Raider 2, et à côté il fait différents... Il stream différents jeux, il fait Haunt, donc Skullface, 13, La Grande Évasion, et j'en passe. Ouais, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc apparemment, dans ce que je vois aussi, donc pour vous dire, il ne viendra pas... Parce qu'apparemment, là, sa connexion, elle vient de me dire, a complètement lâché. Tant pis, pour la prochaine fois, il sera là. Je vais essayer de le faire venir, je vais prendre un jeu qu'il connaît bien pour l'émission du mercredi. Du coup, si vous ne l'avez pas pu voir lundi, vous le verrez mercredi. Ah, c'est des niveaux de 13. C'est là où on perd le plus de temps. Oui, là, il y a vraiment des axes d'amélioration. Je vous ai dit, il y a des endroits où il a passé parfaitement, mais d'autres endroits où il a fait le sac, comme on dit. Mais c'était encore une fois, c'était pas, il a pas enregistré des dizaines de fois. Hein. C'est juste qu'il fallait une base sur laquelle commenter, sur laquelle vous puissiez vous baser pour améliorer, en fait. Mais si était vraiment penché, je pense que au lieu de 16,55 à peu près, il aurait fait 14. 14 quelque chose, si c'était penché un peu plus. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le jeu ou sur quoi que ce soit, j'essaierai d'y répondre, évidemment. Je me rends compte que ça... Pardon, que ça fait... Pas très beau, on est tiré. Du coup, j'ai quand même redescendu. Comme ça, voilà. Donc, je vais remettre le lien du jeu. Voilà. Pour aller jouer au jeu. Il n'y a pas besoin de télécharger. En fait, si vous voulez que vos scores soient. Il faut vous créer un compte si vous voulez que vos scores soient vraiment conservés au fil du temps. Hein. Mais bien qu'il se conserve un petit peu, même quand je quitte mon navigateur et que je reviens, vous voyez, tous les temps étaient restés. Mais sur le long terme, si vous voulez qu'il reste, vous prenez un compte, sinon vous n'êtes pas obligé. Vous allez sur le lien, vous attendez un peu que ça charge et vous bougez tout de suite. Ah non, là c'est, on a tous le réflexe de se dire qu'on doit sauter, en fait. Des fois dans la tête, même quand ça fait plusieurs fois qu'on joue, alors qu'il faut juste se baisser. Ah là, évidemment, on est un peu deg.
À la base, il m'avait proposé de faire une race, c'est-à-dire qu'un affrontement de au moins deux, un affrontement donc, en speedrun de deux, voire plus de speedrunners donc. Mais quand je vois le niveau qu'il a, alors pas une race en direct, hein, parce que là, avec sa connexion, ça va pas être. Enfin, de base, sur au final, au futur, c'est ce qu'on essaiera de faire, des races en direct, lui avec d'autres speedrunners, ou lui contre moi, mais bon, moi j'ai pas le niveau. Hein. Mais de base, qu'on enregistre en fait en même temps une vidéo et pas. Donc, que ça fasse là, qu'on commente la race. Mais quand on voyait le niveau qu'il a, moi j'étais. Bon là, j'aurais peut-être été à 25 quoi. Un peu plus concentré, 20, 25. Et ouais, j'aurais été toujours loin. Loin de son niveau. Donc, c'est pour vous dire que quand j'ai dit non, 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 non. On fera sur le seul jeu que je peux speedrunner correctement, que je suis à une minute du record mondial. Donc au-dessus, hein, ça veut dire que je suis pas premier. Hein. C'est Aladdin sur Super NES. C'est le seul où je me défends. C'est le seul que je joue souvent en fait. C'est un jeu qui est court à faire. Qu'on peut faire assez souvent. Que je fais assez souvent, parce que j'aime bien. Pas bien compliqué, pas bien long. Et sympathique. Proche de la fin. Là, cette première phase là est pas bien compliquée, il suffit juste de rester concentré. C'est juste un shuriken de son sort, le dernier shuriken de la mitrailleuse en général qui est assez chiant. Et là, il faut vraiment timer, c'est-à-dire des fois, faut même le dire à haute, enfin, peut-être pas haute voix en gueulant, mais faut dire 1, 2, saute, 1, 2, saute. Faut se donner un rythme, des fois, quand on n'arrive pas. Moi, des fois, j'arrive pas à l'avoir en tête. Dans la tête, le rythme, faut vraiment que je le murmure. Ah là, non. Oh là là, il a eu chaud. Moi j'étais direct. Donc là il est au boss. Je vais même pas dur. Hein. Essayez de faire un single segment. Alors je le dis, mais comme il n'y a pas 100%, c'est un peu. Enfin, il y a une notion de 100% qui sera un peu étrange. Mais donc c'est du any person. Le but c'est d'aller le plus vite possible. Hein, l'idée. Et je rappelle, c'est du single segment. Donc fait en une fois, hein. Pas de segment. Il enregistre, il joue, il prend tout d'une traite. Il n'y a pas moyen de gagner énormément de temps sur le boss. Et dès qu'il balance, on peut lui faire. Il y a moyen de gagner quelques secondes, une dizaine de secondes quoi, sur le boss. C'est dès qu'il balance, faut tout de suite que ça lui revienne dans la gueule. Donc. Parce que c'est scripté le boss. C'est la surscripté, on est obligé d'attendre qu'il nous balance. Ouais, ça fait partie de la catégorie des boss qui. C'est lui qui vous donne les moyens de le tuer en fait. Qui balancerait pas sa bombe, on pourrait pas le tuer. Encore deux points de vie. Bon, je vous le dis d'avance, il ne mourra pas pendant cette phase. Dernière phase. Au sol quand on a terminé plus ces petites boules bleues, ils auraient été vaches, ils auraient mis en plus non ils auraient demandé, on aurait dû le toucher en étant comme ça avec les boules qui vont à droite à gauche et il balance sa bombe rouge. Ça aurait été beaucoup plus salaud je trouve. Voilà. Hop. Je vais faire une petite pause là. Donc ça faisait 17 minutes environ. Donc voilà, je vais juste faire. Hop, on va remonter. Et on va remettre ça. Voilà.
Donc, est-ce que des gens dans l'assemblée auraient des questions en rapport avec l'émission, en rapport avec le jeu, en rapport avec quoi que ce soit, avant que, parce que là, on va arriver au terme de l'émission. Hein. Alors, il y a eu une petite phase de gameplay faite par moi-même en direct, donc où j'ai pas, but, enfin, c'est Timmy qui m'avait dit, qui m'avait dit, je lui ai dit, alors comment on met en forme? Et il dit, bon, si on faisait une petite phase de gameplay, toi, je veux dire, voilà, ça, c'était défini qu'on devait en faire une. Mais il me l'a bien rappelé et il s'est dit, bon bah, on te laisse 30 minutes. J'ai, voilà, on m'a laissé 30 minutes, j'ai réussi en moins de 30 minutes. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, bah, lui, donc je rappelle son temps, 16,55 environ, 16 minutes, 55 secondes environ. Hein, pour le battre. Essayez, envoyez vos temps si vous faites mieux comme ça, et si vous avez des techniques à des endroits où vous dites tiens là passez plus ici que là. Si vous avez une chaîne YouTube, bah, enregistrez votre performance avec, alors qu'est-ce que j'utilise, je sais même plus ce que j'utilise, mais avec Fraps ou autre. Ah mais du coup non, Fraps c'est un petit peu ouais, Fraps ça marche, mais ça dépend quelle version, je sais plus laquelle version marche, comme c'est sur un navigateur, comme c'est en Flash. C'est un petit peu plus compliqué. Je sais plus lequel lui l'utilise. Bah attendez, je vais essayer de vous dire ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il est possible d'utiliser aussi pour enregistrer? Mirilis Action, je crois. Mirilis Action, plus loin. Je crois que c'est ça qu'il utilise aussi pour capturer. Si vous voulez essayer, mettez vos temps dans l'appel. Vous pourrez mettre dans les commentaires, dans... Vous cherchez la news dans la rubrique Live Fun de consolefun.fr, la news de ce live, et vous mettez un commentaire en ayant un compte évidemment pour commenter. Ou alors sur ma chaîne YouTube ou sa chaîne YouTube à lui, TeamAcMed ou la mienne, 3h150, pour commenter s'il y a des endroits où vous faites mieux, pour me dire des petites astuces. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, donc j'espère que cette émission vous aura plu. Paix à la connexion de Team Ahmed qui a décédé complètement. Je l'ai vu se mettre hors ligne, donc du coup ça voulait dire que il est mort. Enfin, sa connexion est décédée, donc est-ce qu'elle va ressusciter un jour? On ne sait pas. Donc prochaine émission, si tout va bien, prochaine émission, donc tout le site Fit Fun, donc c'est un lundi sur deux à 21h, toujours au même endroit, consolefun.fr, le lundi 22 avril. Si tout va bien. Et donc prochaine émission avec moi, donc mercredi, donc dans 2 jours, mercredi 10 avril, 21h, même endroit, quoi, sur consolefun.fr, pour Retro Life Fun, la 10e émission Retro Life Fun. Alors je ne sais pas encore quel jeu je vais faire. La dernière fois c'était sur Landstalker, le trésor du roi Nol sur Mega Drive. J'étais en compagnie de Titi Boy pour ça. Le prochain, donc mercredi, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai largement le choix du jeu que je vais faire. Enfin, au niveau des jeux rétro, c'est pas ce qui manque, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, donc comme je disais, j'espère que l'émission vous aura plu. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle émission Tool Assisted Speed Fun. Et à votre tour, essayez de speedrunner moult jeux. C'est bien que la communauté française ait de plus en plus en train, enfin, s'y mettre de plus en plus, c'est vraiment cool, de plus en plus de Français à tenter des speedruns de différents jeux. Il y en a déjà quelques-uns, il y en a de plus en plus, et c'est cool. Donc voilà. Donc à plus tard sur consolefun.fr, c'était Troyer. Allez, salut!